attention, on va aller chercher peut-être au fond d'alignement. Oui, bien vu, Courtenay-Lawes qui dévie ce ballon pour Youngs. Burrell qui est lancé là. Plein fer sur Plisson, on a visé la zone du 10, clairement, côté anglais. Lawes qui contrepasse, ça peut être bien joué. Allez, il faut mettre les cannes, Sébastien Sioufa. Oui, il y va. Allez, c'est en contre des Français qui va permettre aux Bleus de prendre l'avantage dans ce match pour la première fois. Après 14 minutes, la voilà la force des Français, la défense. Et les ballons de récup derrière, exploités parfaitement par Sébastien Tiusbord qui inscrit là son troisième essai en bleu. Un contre-pied pris des Anglais sur leur propre initiative. Ils avaient lancé le jeu, ils avaient tous basculé à gauche du ruck. Mauvaise transformation de jeu. Et derrière, Sébastien Tiusbord va récupérer ce ballon relâché par Lawes sous la pression de Dussautoir. Il va faire pratiquement 80 mètres tout seul avec simplement Dan Cole en défense. Voilà, Tiusbord qui se retrouve avec ce ballon. Il va faire 80 mètres. Dan Cole ne pourra pas le reprendre. Il n'y a pas de rapide puisque tout le monde avait basculé après ce côté gauche dans le lancement de jeu prévu par les Anglais. Et voilà qui remet les panneaux à l'heure côté français et qui montre aussi les faiblesses dont on avait parlé des Anglais. Et la tentative de transformation maintenant de Jules Plisson. Un quart d'heure de jeu ici à Twickenham et l'équipe de France est en tête 8 à 7. Allez, il a réussi son premier coup de pied, Jules Plisson. Tout à l'heure. Et ben voilà, cette fois-ci, c'est manqué. Il suffisait de dire ça. Mais la France a un petit point d'avance.